prêt, Mamicia. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi? Suivre les hommes? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici? Pour l'arbre. Quel arbre? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraînée dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Regardez, Lion. Le fauve de Guyenne est pressé d'en découdre. Ton fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Tu es dur. Vas-y, mon chien. Tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Tiens, le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun ses obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille... Hé ! J'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de runes. Allez, vas-y. Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais, chacun ses obligations. Je dois m'occuper de ses terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi... Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi? Hé hey! Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. Allez! Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve? Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve? Les pommes sacrées de l'arbre... sacrées ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin... Je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Prête. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. Un... 2, 3, 4, 5, allez, ma fille, 6, 7, 8, 9 et 10. Eh bien, je suis impressionné, mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez? Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il a dû flairer un lapin. Venez, vite. Par devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Lion, attends-moi. Lion, un chien de chasse n'est pas censé semer son maître. Lion! Mais où il est? Ah, oh, tu es là. Qu'est-ce que tu as senti? Oh là là, un sanglier! Bravo, mon chien. Amicia, il a trouvé quelque chose? Chut! Venez voir, un sanglier! C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Ses herbes te cacheront si tu restes baissé. Il boit. C'est le moment.
Il m'a vu. Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Doucement, c'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise les hautes herbes. Reste baissé. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non! Allez, lion! Ne te lâche pas! Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois! Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, lion! J'arrive, lion! Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi! Oh non, je vais m'enfoncer là-dedans. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Oh, des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. Les arbres. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lion! Reviens! Mais... c'est le sanglier? Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Lion! Viens, mon chien! Lion! Je suis là! J'arrive! Mon chien... qui a fait ça? Diablerie. On rentre. Tout de suite. Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... en train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. T'en es où des rivets pour renforcer la porte? Pas pu les faire encore. T'es au courant que les troupes anglaises arrivent? Ah. Bonjour, mademoiselle Amicia. Oh, mademoiselle Amicia. Va falloir avez-vous pu... plus tard, Flore. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Nerveux. Oui, il y en a qui ont été mordus dans la nuit. Un coup des Anglais, ça. Pourquoi les Anglais mordraient des gens? Je sais pas, moi, pour nous appeler barbares. Prenez soin de Lyon, je vous en prie.
Il mérite sa place à vos côtés. Même s'il faisait parfois des bêtises. Adieu, mon chien. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Ça va pas durer, ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. On a de la chance d'être dans cette maison. Ah, Gabriel. Mère est encore à l'étage ? Oui, elle a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. Béatrice, j'y veillerai. Louise, tu viens de voir ma mère ? Tout juste. Vous voulez la voir ? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir si vous voulez. Ah, merci. C'est le napperon que Mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. De rien, ma douce. Faites-y attention. Mère ? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai ! Lyon était là, par terre, et puis il a été... Chut ! Tu vas rester ici avec ton frère. Hein ? Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Ça fait combien de temps qu'il est ici ? 4 ans ? Maman ? 5 ans ? Où est-il ? Hugo ? Maman, c'est toi ? C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez ! Avance ! Il a parlé ! Non, Seigneur Nicolas. Il a tué 2 de nos hommes. Où est-il ? Pour la dernière fois, où est votre fils ? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est maman ? Viens ici. Qu'est-ce qui se passe ? Chut !
Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Où est-ce qu'ils l'ont planqué? Maintenant, vite. Où est maman? Chut. Reste baissé. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Tais-toi. Viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où le gamin, hein? Laissez-le en paix. Ferme-la. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant. Vous avez... Oh, Gabriel. Amicia. Chut. Oh non. Léa. De grâce, je ne... Ça t'apprendra. Non, je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. On y va. Alors dis-moi, où est Hugo de Rune? Amicia, qu'est-ce qui se passe? Maman, il faut trouver maman. Elle saura quoi faire. Oh mon Dieu, Louise. Hé, hey, toi, ça t'amuse de me faire courir, hein? Vous! Oh. Pitié! Oh. Ah. Ça sert à rien de supplier. Toi, avancez. Ne regarde pas. Hey, ça nous sert pas à toi, mon dessin. Non. Je veux pas. Il faut qu'on avance. Je sais rien. Je m'occupe juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. Dis-nous un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si je le savais, je dirais rien. Ta maîtresse est une bonne âme. Eh bien, eh bien. Où vous allez comme ça? Mes enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui? Oui. Faites attention aux issues. Ils sont partout. Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. Hé, hey, on est un autre. C'est qui? Le jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Fleurs? Oh. Va falloir faire mieux que ça. On a réussi. Chut. Tirez-lui. Laissez-vous. J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je dirais rien. Allez en enfer. Ah ouais. Après toi. Je te laisse réfléchir. Maintenant. Et toi, crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes... des lâches. C'est pourriture. Oh. Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Je vais te porter. D'accord. On n'en serait pas là. Attention, descendant. Oui. Mais Robert de Rune a une dent contre l'Inquisition. Gamin, alors que notre but est énorme. Qu'il est retardé comme ça. Dis-moi tout ce que tu sais. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. Ce bruit. Bien, ça on y va. Là-bas, je crois. Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Faut que je me calme. Alors, le garçon? Il se cache. Mais le seigneur Nicolas se s'en occupe.
Il n'est pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. J'ai entendu un truc. Je reviens. Reviens vivant. On a besoin de toi ici. On peut pas y aller. Mère. Peut-être que si tu lui lançais un de ces pots. Vous croyez? Oui. Le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. Allez, je vous connais, vous. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Allez. Oh non, non, non. Tu calmes. Tiens bien ma main. Oh, verrouillé de l'autre côté. Mère, il y a un trou dans le mur. Oui. Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais... passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Y a quoi derrière? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord? D'accord. Allez, mon grand. Bravo. Il y a des gens. Prends ma main. Pitié! On attend. Fais demander grâce! Ne fais pas courir plus vite, mon ami! Allez, venez! Suivez-moi! Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ma tête... Maman... Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux... Ma tête... Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Tu peux venir? J'arrive. Oh, voilà. Merci. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. Restez avec Hugo. Attendez mon signal, d'accord? Faites très attention. Mère et Hugo, toi, va avoir le temps de passer. C'était quoi? Je dois les prévenir. Psst. Venez, on arrive. Allez, allez, vite. Bravo. Par ici. Bon, c'était rien. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord, je m'en occupe. C'était quoi ce bordel? Va-t'en. Va-t'en, allez.
vous êtes vivant. Par ici, venez. Par ici. Suivez-moi. Mon chéri, va vite te cacher. Tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... et vous alors ? Vous devez venir avec nous. Tu n'as pas besoin de moi, Alicia. Si, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Cours le plus vite possible.